Le domaine de Villemajou, c'est l'histoire de la famille Bertrand. Mon père et ma mère ont fondé ce domaine dans les années 60. Ils ont compris que le terroir de Boutenac était vraiment exceptionnel, avec des galets roulés, des miocènes du Quaternaire. Donc je n'ai fait que m'engouffrer dans la brèche qu'ils avaient créée. Et mon seul souci aujourd'hui est de préserver l'esprit de Georges Bertrand sur ce domaine. On y trouve des carignans de plus de 100 ans et de vieux grenaches. On y produit également un rosé vinifié en barrique et un blanc très particulier. La forge est un hommage à mon père, car c'était sa parcelle préférée. Tigalus, c'est le domaine où je vis en famille. Ici, nous avons voulu aller encore plus loin, puisqu'on cultive la vigne en biodynamie. On fait donc bien sûr référence au cycle lunaire. Il n'y a aucun engrais, aucun produit chimique, aucun pesticide, donc c'est vraiment 100% naturel. On élève donc des vins qui expriment vraiment le terroir. La singularité de ce domaine est aussi liée à des assemblages iconoclastes, avec du Chardonnay, Sauvignon et Viognier pour le blanc, Merlot, Cabernet et Syrah pour le rouge. Ces assemblages nous permettent de challenger tous les vins du monde, et en particulier les vins d'Australie, de Californie ou du Chili. Au château La Ville-Bertroux, nous sommes vraiment sur les contreforts de la Livinière. On a la chance donc d'être situé sur le Causse, avec un terroir très bien exposé. L'avantage de la Livinière, c'est que c'est un terroir en altitude, qui procure beaucoup de fraîcheur, en particulier pour l'expression de la cire. Après 12 mois d'élevage en barrique, on arrive donc à avoir un vin avec beaucoup de soyeux, et qui peut vieillir sans problème 10 à 15 ans. Le Viala est de la parcelle d'exception sur le terroir de la Livinière. Elle représente l'harmonie entre l'homme et la nature. Le domaine de l'Aigle est mon dernier coup de cœur. Sur le village de Roquetaillade, à côté de Limoux, c'est le plus haut domaine viticole du Languedoc, puisqu'on oscille entre 300 et 500 mètres d'altitude. C'est aussi la rencontre entre deux cépages exceptionnels que sont le Chardonnay et le Pinot. L'altitude nous permet de préserver beaucoup de fraîcheur et de minéralité. Le travail de précision dans le chai et l'élevage de 12 mois en barrique apportent à ce vin beaucoup de finesse et de complexité. Parcelle Aigle Royal est un grand cru de Limoux. Cette parcelle de Chardonnay est située à 500 mètres d'altitude et une déclivité très importante. L'Hospitalitas est située sur un terroir unique, en contrebas du château L'Hospitalet. C'est à cet endroit qu'étaient situés les hospices de Narbonne au XVIe siècle. Ce vin est un témoignage à la souffrance des hommes. Il a été conçu pour révéler ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Ici, nous sommes dans le vignoble du château L'Hospitalet. Sur un terroir particulier, puisqu'on est sur du calcaire dur, ce qui permet d'avoir beaucoup de fraîcheur et de minéralité. On est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire avec beaucoup de précision, de définition et de délicatesse. Avec 1000 hectares de garrigue et 82 hectares de vignes, nous sommes également engagés dans une politique de développement durable visant à préserver les paysages viticoles, à favoriser la biodiversité et à développer une agriculture respectueuse de l'environnement. Le château L'Hospitalet a d'ailleurs obtenu la reconnaissance domaine carbone neutre.
Plus qu'un domaine viticole, le château L'Hospitalet est un lieu dédié à l'art de vivre. L'hôtel 3 étoiles, ainsi que le restaurant bistronomique ont été totalement rénovés. Au restaurant, on peut goûter la cuisine méditerranéenne de notre chef, croquer les légumes bio de notre jardin, associés aux vins de nos domaines. Nous organisons aussi un festival de jazz, qui est devenu maintenant une scène internationale. Nous sommes très heureux de ce mélange des cultures entre le vin, la gastronomie, la musique et la peinture. En un mot, l'art de vivre. Vous êtes abondant dans Tina Turner, bien courant, vous savez tout, elle fait tout. Mon père me disait toujours, quand on plante une vigne, c'est pour ses enfants. Je continue à planter. J'espère qu'un jour nos enfants poursuivront cette aventure humaine qui est exceptionnelle, celle de la rencontre d'hommes et de femmes avec un terroir et une région vraiment formidable.